2022 est définitivement l'année de tous les possibles. Alors qu'elle protège farouchement sa vie privée et qu'elle n'évoque jamais ni son mariage ni sa vie de famille, sauf cas exceptionnel, Marie-Ange Casta a accepté de faire d'une pierre deux coups en prenant la pause avec son mari et leurs deux enfants. Si est Marc-Antoine Lebray, sa chère moitié, qui a partagé ce cliché bourré de tendresse et de discrétion le 1er janvier. Sur cette photographie, on aperçoit quatre silhouettes, certes, mais deux visages sont masqués, deux autres protégés par des émojis. Je ne voulais pas avoir le regard des gens sur moi. Bonne année, écrit simplement l'humoriste et imitateur. Décidément, les amoureux égrènent les informations au compte-gouttes. Marie-Ange Casta, pas fan des confessions intimes, prend toujours le temps de la réflexion avant d'annoncer une grande nouvelle. Elle avait par exemple attendu que sa fille aînée, Catalina, ait 2 ans avant de dévoiler qu'elle était maman. Si est-il très égoïste, expliquait-elle alors. J'avais envie de vivre ce moment pour moi. J'étais jeune et je ne voulais pas avoir de questions, je ne voulais pas avoir le regard des gens sur moi pendant ma grossesse. J'étais dans une bulle et je ne voulais pas en sortir.